Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo présentation d'équipement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes Lecol qu'il y a juste ici. Donc c'est parti, on commence tout de suite parce que vu le nombre, on va prendre du temps. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous présenter mes longes, comme ça sera fait. Et vous saurez du coup quelle longe j'ai parce que je ne mets jamais les longes qui vont avec les Lecol. Tout d'abord, j'ai ma longe éthologique qui se vend avec les Lecol éthologiques de ces fous comme ça, très classiques, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai gardé très 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 longtemps et que je garderai encore super longtemps parce que je l'adore. Ensuite, j'ai une longe rouge comme ceci, avec un mousqueton assez spécial que j'avais acheté, il me semble, à Terreo, je crois, avec un Lecol rouge que j'aime vraiment 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 beaucoup parce que ça fait vraiment l'aspect d'une corde et surtout on le maintient super bien dans la main. J'ai une longe marron que je déteste royalement, tout simplement parce que c'est une longe très élastique et que quand le cheval tire, la longe s'allongit vraiment, vraiment super longue. Elle se met super longue, je la déteste, mais je la garde quand même au cas où. J'ai une longe comme ceci que j'avais acheté au pad qui s'est royalement pété. Oui, vous pouvez le dire. Normalement, au bout de la longe, il y avait le mousqueton, sauf que le mousqueton a pété, donc j'ai été obligée de le mettre comme ça. C'est du rafistolage. J'étais en balade, le cheval a tiré, la longe s'est pété. Je n'étais réellement pas contente. Donc voilà, il me semble que j'avais fait un vlog d'ailleurs là-dessus, c'est que j'avais parlé de cette longe qui avait pété, donc on va pas en parler plus longtemps. Ensuite j'ai une longe de chez Fuganza qui est bleu turquoise, qui est avec un Lecol tout classique, on va pas argumenter sur ça, c'est une longe. J'ai une longe très fine avec une poignée que j'adore plus que tout au monde pour les balades, c'est vraiment tip top les poignées, et elle est noire classique, donc je peux vraiment la mettre avec n'importe quel Lecol. Ensuite j'ai une longe comme ça noire que j'ai acheté chez Pad avec le petit mousqueton un petit peu doré que j'aime vraiment beaucoup, je l'avais acheté pour mettre avec mon Lecol en cuir, donc voilà, c'est vraiment une longe que j'aime vraiment beaucoup chez Pad. Et j'ai celle-ci qui date des premières années où j'ai monté à cheval, qui date d'il y a super longtemps, mais qui me dure, qui tient. Ok, la couleur est partie, mais c'est une longe qui dure dans le temps et qui ne pète pas. Et moi, toutes mes longes, je les ai mises sur un portant comme ça, que je trouvais à Action, tout simplement, comme ça au moins, c'est bien rangé. Ensuite, pour passer rapidement, je vais vous parler de mes Lecol éthologiques. J'en ai tout simplement trois. Trois, je ne sais pas d'où ils viennent, parce que celui-ci, je l'ai acheté à une fille à côté de chez moi. Je l'avais payé 2 € au temps, il y a très 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 longtemps. Donc il est rouge et noir, avec ici le petit bout, il est en plastique. J'aime vraiment beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est très souple. J'ai celui-ci qui est super beau, que je l'avais acheté au salon du cheval. Je l'avais payé, il me semble, 12 € je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble. Il est bordeaux et bleu. Il est super bien, un peu plus rigide, mais il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est un marron et beige. Je vous dirais, franchement, je sais plus du tout où je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai acheté à une personne dans les 5 €. C'est un col que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est super souple et qu'il est vraiment bien. Au moins, il n'est pas rigide sur la tête du cheval. C'est vraiment un Lecol que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne m'attarde pas sur les Lecol éthologiques parce que vous, vous préférez voir ceux-là, n'est-ce pas? Donc voilà, au moins vous avez vu les Lecol que j'avais en éthologie. Pareil, j'ai mis ça sur un cintre. Il me semble que c'est un cintre à bijoux que j'avais acheté chez Action et qui est super pratique. Et donc moi, pour faire tenir mes Lecol, tout simplement, je les ai mis sur un stoyac, c'est beaucoup plus pratique et je peux en mettre pas mal parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, 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 donc il me faut vraiment de la place, et ce qui est vraiment le plus pratique. Donc, premier Lecol que je vais vous présenter, c'est mon Lecol en cuir que j'avais acheté, c'était à un CSO, il me semble, vers Paris, que j'avais payé 30 €, il me semble, c'est un Lecol en cuir que j'avais fait graver Kinus sur la plaque. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu, déjà revu, je l'ai déjà présenté, c'est un Lecol que j'aime vraiment beaucoup, qui est noir en cuir avec du petit argenté ici, qui est vraiment super beau. Pareil, celui-ci, je le garderai toute ma vie parce que bah, c'est un souvenir de Kinus, donc je le garderai toute ma vie, et puis surtout, il est super beau. Ensuite, j'ai acheté un Lecol très classique chez Sennery Online, noir, super classique, tout simplement parce que je voulais y mettre des moumoutes. Mais comme vous le verrez plus tard, j'ai trouvé d'autres Lecol avec des moumoutes, donc je n'en ai pas mis. Mais voilà, je le garde parce que c'est un Lecol classique que je peux mettre à tous les chevaux. Et puis bon, s'il me le pète, c'est pas gênant. Je l'avais payé 5 € à l'époque sur le site et je sais pas s'il est toujours en vente. Mais voilà, c'est un Lecol très classique, comme on a tous un Lecol de près, si on peut dire ça. Ensuite, j'ai un Lecol aussi classique comme ceci, qui est en taille full, il me semble, enfin taille cheval, très petit, que je déteste au plus haut point. Tout simplement parce que déjà, le mousqueton ici, il est comme ceci, il ne se dirige pas sur la muserolle, donc ça, je n'aime pas du tout. Ensuite, il n'est pas du tout solide, il est super fin, il est pas blessant, mais ici, c'est pas du tout doux. C'est un Lecol que je n'aime pas du tout, je l'avais acheté à Sellerie Online, que je regrette, je l'avais payé 7 € il me semble, et franchement, ça vaut pas le coup.
Ensuite, j'ai acheté deux Licol, un orange et un jaune fluo, tous les deux de la sellerie Senri Online que j'avais payé, il me semble 5 ou 6 euros. Ils sont super top, ils sont rembourrés au niveau d'ici et au niveau de la muserolle ici. Ils sont vraiment top, les couleurs sont super belles. Malheureusement, ils ont un petit peu rouillé et comme vous le voyez, ils ont vraiment vécu. Mais c'est des couleurs qui sont super belles que j'adore et que de Licol que je rachèterai sûrement chez Sellerie Online parce que j'aime beaucoup. Ils sont toujours en vente pour ceux qui s'intéresseraient de trouver un Licol orange fluo et jaune fluo. C'est parfait pour les balades, donc je vous en conseille quand même d'en avoir un. Ensuite, j'ai mon Licol à moumoute noir de tout simple. Alors franchement, je pourrais pas vous dire où j'ai acheté. Il me semble que je l'ai acheté au Patroc vers les 5-6 euros maximum. Je l'ai adoré tout simplement parce qu'il était noir avec de la moumoute et que on sait très bien que les Licol moumoute, c'est nos préférés. Donc voilà, un Licol que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous ne savez pas, les Licol moumoute chez moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc celui-ci, il en fait partie. Ensuite, j'ai mon Licol que j'aime plus que tout au monde. C'est un Licol que j'avais acheté chez Pad au prix de 11,90. Il me semble, il y a des strass partout, mais largement partout. Je l'aime d'amour, je l'aime plus que tout. Il est très fin, il est noir, il y a des strass un petit peu argentés. Il est super beau, classique, en talle full. Je l'avais payé 11,90 il me semble, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il est super beau, franchement, je l'adore. Alors, ce Licol là est encore à vendre chez Pan, donc le Licol avec les strass, mais il faut faire attention, c'est une grande taille. Moi, c'était une taille full pour Kinus. J'ai dû vraiment refaire des trous, tout simplement, parce qu'il était super grand. Ensuite, je vous parle de trois Licol en même temps, tout simplement, parce que c'est quasi la même gamme, donc c'est trois Licol. Donc, il y a le Licol bleu marine, blanc et rouge de chez Pad à 6,90. C'est les Licol qui sont vraiment pas chers, mais qui sont extra. Franchement, moi, je les achète tout le temps parce qu'ils sont sublimes et ils sont de très bonne qualité et ils sont hyper agréables pour le cheval. Ensuite, j'ai exactement le même que le rouge, mais en bleu, donc c'est bleu marine, bleu clair et blanc. Franchement, je l'adore, il est super beau. Et celui-ci, c'est mon préféré, c'est le marron turquoise et beige qui est super, super, super beau. Mais voilà, c'est des Licol à 6,90 chez Pad, ils font largement l'affaire. Ne vous prenez pas la tête à aller chercher des Licol à 11, 12, 13, même 50, même je sais pas combien d'euros. Prenez ceux-là, ils sont super bien. Franchement, ça fait des années que je les ai et ils me durent encore super longtemps. Ensuite, avec l'allonge rouge que je vous ai présenté tout à l'heure, j'avais acheté ce Licol-là. C'était à gamme vert que je l'avais acheté. Il y avait un lot en fait en taille full de la marque Passionnel. C'est un Licol que tout le monde a vu énormément. Pendant un temps, il le faisait avec la moumoute qui se faisait en bleu marine. Franchement, tout le monde l'avait. Et ben moi, je l'ai acheté en rouge sans moumoute. Je le trouvais super beau. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le mettre. Parce que Kinus est parti assez rapidement, donc je n'ai pas eu le temps de le mettre. Mais voilà, c'est un Licol que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve super beau. Ensuite, j'ai ce Licol là de chez Paillette que j'ai depuis des années et des années. Il est vert, un peu passé et marron. Il est super beau, il est de super bonne qualité. Il est rembourré au niveau d'ici avec du genre de daim. Il est franchement super beau, je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi je dis que je l'aimais et que je l'aime plus maintenant? Tout simplement parce que la couleur, franchement j'ai du mal. Mais la couleur est super belle, mais là j'ai du mal en fait, ça fait trop longtemps que je la vois. Mais voilà, c'est vraiment un Licol qui est super beau. Pareil, c'est ceux de 6,90 à Pad, ils sont vraiment top. Donc franchement, je vous les conseille. Et ensuite, un Licol que j'ai cherché, 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 cherché et que j'ai énormément voulu, c'était ce Licol-là. On l'a tous connu, on l'a tous vu sur un cheval qui était gris et qui nous a tapé dans l'œil. C'est le Licol de chez Pad en gris comme ça. Tout simple, juste avec écrit Pad, écrit 1974 et 2014. Donc je l'ai acheté en 2014 en fait. C'est un Licol que j'ai vraiment cherché, que j'ai vraiment voulu vraiment 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 beaucoup. C'est le Licol qui me semble que j'ai payé 11,90, je sais plus, mais voilà, c'est un Licol que j'avais franchement adoré, que je trouvais super beau, qui allait super bien sur Kinus, qui va super bien aux chevaux. Franchement, dites le moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez vu ce Licol Pad sur un cheval de concours, souvent sur des gris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est pareil. Moi c'était pareil, je l'avais vu sur un cheval gris, il me semble que je l'avais vu. Je me demande, c'est pas dans la vidéo, vous l'avez tous vu la vidéo où c'est que Sonia elle achète son cheval. C'est une vidéo qu'il y a sur YouTube et en fait on voit un peu son quotidien. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo là de fois, une million de fois. Et bah il me semble qu'il y avait ce Licol là dedans. C'est ce qui m'a fait craquer. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais franchement, on l'a déjà tous vu. Donc voilà, ce Licol, je l'ai voulu et je l'ai eu. Et maintenant je suis tellement fière de l'avoir. Et c'est un Licol que je vendrai jamais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'on s'en est enfin sorti de tous ces Licols. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est le Licol que vous préférez, que vous trouvez vraiment le plus beau. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à samedi prochain.